Si tu veux rejoindre l'armée américaine ou bien si tu veux rejoindre le service militaire américain et que bien sûr, en rejoignant le service militaire américain, tu désires avoir la nationalité américaine, c'est que cette vidéo. Jusqu'au CMB, membre de l'US Army Reserve en tant que 60A Delta. Si tu désires rejoindre l'armée américaine pour obtenir la nationalité ou encore tu es déjà membre du military service et que tu voudrais avoir la nationalité américaine, il faudrait que tu prenne un papier et du stylo pour noter les différentes étapes qu'il faut faire pour que tu puisses avoir ta nationalité. Mais avant tout, générique. Avant de commencer, bien sûr, vous avez entendu le slogan dire quand vous rejoignez l'armée américaine, on vous donne la nationalité. Le mot on vous donne me choque un peu parce que la nationalité américaine ne se donne pas, elle se mérite. Vous allez au long de tout un processus, bien sûr, qui vous permet d'être citoyen américain. Alors, comment est-ce qu'il faut faire? Premièrement, à noter que vous devez garder jalousement vos papiers. Ne prenez jamais une photo ou bien c'est pas trop un document où vous montrez vos informations de manière publique. Pour la petite histoire, il y a des personnes dans le service militaire américain qui ont déjà fait près de 5 ans mais qui n'ont pas de nationalité américaine. Pourquoi? Parce que bien sûr leurs documents ou bien les informations ont été rendues publiques et ils ne parviennent pas à avoir une interview ou bien ils ne parviennent pas à faire Il ne permet pas d'avoir un background check quand il faudrait qu'on puisse les programmer pour l'interview pour qu'ils soient citoyens américains. Alors, si tu as tes documents quelque part, bien vouloir les garder jalousement. C'est-à-dire, être dans l'armée américaine ne veut forcément pas dire que tu auras la nationalité. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit entrer en l'armée américaine, obtenir nationalité en même temps? C'est un concept qu'il faut bien sûr comprendre. Comment est-ce qu'il faut le comprendre? C'est que l'armée américaine facilite. Ça facilite le processus. Pourquoi est-ce que ça facilite? Quand vous avez votre green card, il vous faut un minimum de 4 ans, voire 5 ans, pour que vous puissiez appliquer pour devenir citoyen américain. Contrairement à l'armée américaine, c'est que quand vous rejoignez l'armée américaine, vous avez la possibilité de devenir citoyen américain en moins de 1 an, voire 6 mois. Moi, je suis devenu citoyen américain en intervalle de 6 mois, 7 mois, 8 mois. En moins d'un an, je suis devenu citoyen américain. Alors, quand vous avez rejoint l'armée américaine, vous finissez votre Basic Combat Training, vous allez au AIT. Au AIT, il y a deux grandes choses qui vont se passer. Pour ceux qui sont Reserve, ça sera more complicated. Mais pour ceux qui sont actifs, le processus sera, comme on dit, le processus sera tellement suite. Alors, nous allons partir dans le premier cas avec les réserves. Pour appliquer, bien sûr, pour la nationalité américaine, lorsqu'on est réserve, il vous faut avoir un an de service. Un an de service, c'est tombé récemment et tout, c'est ça. Il vous faut avoir au minimum un an de service quand vous êtes réserve pour pouvoir appliquer pour la nationalité américaine. Alors, quel document est-ce qu'il vous faut? Il vous faut deux types de documents. Le premier document est appelé le N426. Le premier document, c'est le N426. Allez sur Google ou bien allez sur n'importe quelle plateforme. Tapez sur un moteur de recherche. Tapez N-426. N426. Vous remplissez ce document. Et quand vous avez fini de remplir le document, vous pouvez le remplir en ligne, le print, l'imprimer. Vous devez donner ça à votre senior drill sergeant.
quand vous êtes au AIT. Ok? Quand vous êtes au AIT, vous donnez ça à votre senior drill sergeant. Pourquoi? Parce que un officier, au minimum un O6. Si vous êtes dans l'armée américaine, vous comprenez forcément qui est un O6. C'est l'un des plus hauts gradés, bien sûr, du Official Corps. C'est un O6. O6 qui doit signer votre document pour que vous puissiez l'envoyer à l'immigration pour demander la nationalité américaine. Alors, quelle est la puissance du N426? La puissance du N426, c'est que c'est ce document-là qui démontre que vous êtes dans l'armée américaine. Pourquoi? C'est ce document-là qui démontre que vous êtes dans l'armée américaine et c'est ce grand officier O6 qui signe ce document-là pour dire effectivement, cette personne-ci de nom -, de Social Security -, qui postule pour avoir la nationalité américaine under the military service. C'est ce document-là qui fait en sorte que les 5 ans que les autres attendent pour vous appliquer pour devenir citoyen américain, vous appliquez ça directement parce que vous avez décidé de rejoindre l'armée américaine. Ok? C'est très simple. Deuxième document maintenant, c'est le N400. On appelle ça le N400. N400, alors, en quoi est-ce que cela consiste? Le N400 comporte tous les éléments. Toute votre vie, on va dire ça en général, est dans ce document-là parce que ça détermine vos adresses durant les 5 dernières années, votre nom, le nom de votre parent ou de vos parents, le nom de vos enfants si vous avez le nom de votre femme, les différentes adresses que vous avez déjà pu, là où vous êtes allé, quoi, pour qu'ils puissent effectuer le background check. Rappelez-vous que précédemment, on a parlé de background check parce que c'est le background check qui fasse en sorte que le service d'immigration qui donne la nationalité et tout, puisse vous programmer pour une interview. Tant que votre background check ne revient pas clair, vous n'aurez pas d'interview. C'est pour cela que je dis et je le dis toujours, ne postez pas vos informations personnelles n'importe où et n'importe comment parce que ça peut vous porter préjudice quand vous allez appliquer pour la nationalité américaine. Alors voilà les deux grands documents est-ce que il faut remplir. Que vous soyez actif ou bien que vous soyez réserve, vous remplissez tous les deux ce type de document. Alors, le processus, il est plus rapide quand vous êtes actif du DIC que quand vous êtes réserve. Pourquoi? Parce que quand vous êtes réserve, vous ne travaillez qu'une fois par mois. Et c'est, ils prennent ça en compte, en fait. Ils prennent ça en compte. On va plus privilégier celui qui est full-time in the army. Alors, par rapport à celui qui est part-time in the army. Parce que quand tu es part-time in the army, tu n'es pas prêt pour le déploiement. Ok? Parce que quand vous êtes prêt pour le déploiement, il court vite avec vos papiers, vous devenez citoyen américain, vous prenez votre passeport généralement. Ça coûte 3 fois rien quand vous êtes dans l'armée américaine, bien sûr. Alors, le processus, c'est ça. Vous devez signer votre N4200 et votre N400 pour pouvoir postuler. Alors, quand vous avez terminé de signer ces deux papiers-là, vous mettez ça dans une enveloppe et vous envoyez au service d'immigration. Un mois plus tard, ou bien pour les actifs du DIG, normalement, c'est à peu près 3 semaines quand ils ont effectué votre background check, bien sûr, vous recevez la lettre pour aller passer vos empreintes digitales. C'est où donc le vrai combat commence. Quand vous avez terminé votre empreinte digitale, que vous soyez actif ou soyez réserve, vous croisez les bras et vous attendez donc le jour où on va vous programmer pour aller passer l'interview et devenir citoyen américain. Alors, comment est-ce que ça se passe, l'interview? L'interview, si vous avez déposé votre demande de citizenship avant 2020, donc du 2020 en descendant, là, vous allez passer le test où on vous pose seulement 6 questions et 6 questions sur 10. Si vous avez passé les 6 questions sur 10, vous avez la nationalité. Mais si vous avez déposé votre dossier sur le nouveau système, parce que le nouveau système actuellement, c'est 20 questions et vous devez répondre approximativement 16 ou bien 12, mais si les connaissances sont bonnes, vous devez
avoir un truc comme 12 questions correctes et bam, si vous avez vos 12 questions ou 16 questions correctes, vous avez la nationalité américaine. Et bien sûr, quand vous avez réussi votre test, parce que pour avoir la nationalité américaine, on passe un test. Quand vous avez bien sûr réussi à ce test-là, vous allez aller jurer et tout, vous devenez citoyen américain. On vous donne votre papier de naturalisation et qu'il faut garder jalousement et bien sûr le signer. Ah, une erreur que j'ai faite. Je suis allé déposer et tout, je n'avais pas signé mon certificat de nationalité. On m'a renvoyé. On m'a dit, tu dois signer parce qu'il faut signer pour attester que effectivement c'est le tien. Donc voilà le processus en fait pour être citoyen américain quand vous êtes dans l'armée américaine. Alors, nous allons nous retrouver pour une prochaine vidéo.